Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour puissance V12, épreuve suivante, Mugello complet. Du coup, on va sélectionner l'épreuve. Quel véhicule? Los motores V12 siguen siendo un estándar de oro en el diseño de motores para autos. Pero conseguir que 12 cilindros funcionen en total armonía, generando potencia suave e instantánea, no es tarea fácil. Solo unos cuantos fabricantes de élite pueden lograrlo, así que pocos pilotos tienen la suerte de vivir esta experiencia. Du coup, McLaren, Ferrari ou Lamborghini? McLaren, non. Ferrari, Lamborghini... Mes voitures. J'ai une voiture. La Monza. Du coup, on va acheter des voitures. On va prendre celle-ci. Après. Moi, j'aurais bien voulu mettre un livret dessus. On va la mettre en rouge normal. Allez. Du coup, par contre, on va revenir en arrière. Allez, dépêche-toi. Voiture, atelier de peinture. Allez où? Alors, ici, je la sélectionne. Trouver des créations. Celle-là est belle. HL, non, peut-être pas. On va prendre celle-là. C'est de se faire une ou deux courses. À une course minimum, quoi. Allez, on quitte ça. On va revenir sur la course en question. Elle est là. Mugello performance, je pense qu'on peut rien améliorer ici. Si. Vite fait, tac, continuer. Mugello circuit. Rappelle-toi, garde un pilotage. Non, c'est laissé, mais on quitte. Automatiquement derrière. Un bruit de fou. Quitter. Passer les essais. Ok. Elle est magnifique comme ça. Voilà, accéder à la course. Dernière place. On envoie. On fait vite fait un tour vers le carburant. Voilà, comme ça c'est bon. Et on y va. On envoie tout.
Merci, merci à vous. C'est pas grave, on repart de plus belle. Deuxième place. Huitième place. Septième place, on envoie du lourd la carrette. Encore deux places à aller chercher. On a qui en première place? J'ai pas encore eu le temps de l'apercevoir. Je sais pas pourquoi, mais on dirait une Ferrari. J'avais raison. Environ une demi-seconde.
Allez, on va attaquer le dernier tour. Dernier tour, allez. Niveau 3. Et voilà, ligne d'arrivée. Terminé, première place. 40 secondes de pénalité. Première place, 28 points. Alors on prend combien d'XP? 5600. Et 18 350 crédits. Ok. Pour améliorer la voiture. Oh merde. Amélioration rapide. Ok. Tac. Continuer. Respect. C'est quoi la Laguna Seca? Je crois c'est ça. Mais par contre cette course là on la fera dans une prochaine vidéo car il va être l'heure d'aller travailler. Pour la plupart des épreuves qui se tiennent ici, ils mesurent le volume du coup, des voitures et on va quitter là-dessus. Ok. Mais aujourd'hui, nous avons la permission de faire autant de bruit que nous le voulons. Du coup, voilà les amis. On va aller faire un tour du côté des voitures. Cette voiture. Il y a peut-être la Mazda à acheter là. Ouais. On va en profiter comme aller au rabais. Acheter. La couleur, ben couleur du fabricant, ok. Voilà. Il n'y a rien d'autre de mise en avant. Bon voilà les amis, du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao ciao.